Bonjour tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? On dirait que j'ai du décalage. Oh! Maudine. Est-ce que vous m'entendez bien? Puis est-ce qu'il y a du décalage dans ma voix? Dans ma face puis ma voix? J'espère que non. J'espère qu'il y a juste moi qui le vois. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui, en ce petit vendredi pluvieux? Moi, je vais super bien. Ah, Jen Dubois, tu dis qu'on m'entend. Parfait. Je vais super bien hier. J'ai tellement eu une belle soirée. J'étais avec la gang de LTA, la soirée LTA de Alias Entrepreneurs, donc avec Serge Beauchemin et d'autres entrepreneurs qui donnaient des conseils. En tout cas, c'était une super belle soirée. Et à la deuxième partie de la soirée, on était amené une vingtaine d'experts de différents domaines des affaires, du milieu des affaires. Moi, évidemment, c'était site web et WordPress. On était amené à aller dans des breakout rooms dans Zoom pour parler aux participants. Il y avait plus de 3 000 participants. Et je pense qu'en live, il y en avait à peu près 1 500, là, à peu près la moitié, mais des inscriptions, il y en avait au-dessus de 3 000. Et donc, j'ai parlé à une quarantaine de personnes hier dans un Zoom. Les gens venaient, partaient, hein, comme un type 5 à 7, mais de type version pandémie. Puis j'ai tellement aimé mon expérience, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je ne savais pas quel genre de questions les gens allaient poser, parce que c'était le but, c'était ça, de poser des questions par rapport à moi, c'était sur les sites web, mais tu sais, n'importe quel sujet là, en lien avec les 20 experts qui étaient là. Et ça a été. Écoute, j'étais sur un nuage pendant toute la soirée. Ça a commencé vers 8 h à peu près jusqu'à quasiment 11 h. Puis j'ai tellement trippé, j'ai pas vu le temps passer. J'ai jasé avec plein de monde, des gens, tu sais, puis même des réflexions pour lesquelles j'avais pas de réponse, mais tellement des entrepreneurs intéressants qui se posent des questions sur leur présence en ligne. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire une deuxième édition, puis je vais vraiment pousser pour être réinvité, là, je vais faire mon petit PR, m'assurer d'être réinvité. C'était merveilleux. Fait que voilà pour mon petit jeudi, mon petit 5 à 7 du jeudi soir. Si vous avez été là, faites-moi un petit coucou. Puis je vois qu'il y a Nadine, Véronique qui est là, Linda, Jeff, salut Jeff, Jen, Cynthia, donc cool, vous êtes là. Et je ferai pas attendre plus longtemps mon invité parce que j'ai vraiment hâte d'y parler. C'est une fille à qui j'ai jamais parlé en vrai, sauf il y a 5 minutes. Allô Geneviève! Allô, Patricia! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, je te suis sur les réseaux sociaux depuis un moment. Même que tu es dans les personnes qui m'ont inspiré pour faire des lives. Je te regardais aller, j'étais comme, ah, OK, ouais, je pense que je suis prêt à faire ça moi aussi. Et je pense que tu étais en live ce matin, hein? Oui. C'est ça. Et mon tout premier Facebook Live que j'ai fait en octobre dernier, c'était avec Karine, ma graphiste, avec qui je travaille depuis maintenant 5 ans. Et justement, on parlait de l'importance d'un graphiste quand on a un branding à développer. Et on parlait de Canva. Puis honnêtement, puis je l'ai dit dans ma présentation, j'étais un peu sceptique. Puis Canva, ça date pas d'hier, là, ça fait quand même quelques années que ça existe. Puis quand je me suis dit à qui je pourrais parler de ça, qui pourrait là peut-être me convaincre que ça fait du bon travail, et ton nom est tout de suite venu. Donc je t'ai contacté, puis je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Donc Ça fait vraiment plaisir. Oui. excellent. Il y a Julie qui est là aussi, Julie Brouillette, salut. Et Geneviève Boucher, merci d'être là. Lucie Béchard est là. Donc Geneviève, présente-toi un petit peu. T'es qui? C'est quoi ton profil? Qu'est-ce que tu fais? Je suis une femme Oui, entrepreneur pour commencer. on a ça en commun. Oui, on a ça en commun. On m'appelle la Brandiste. Ça, c'est vraiment le nom qu'on m'a donné. C'est mon petit nom de scène. Hein. Dire que c'est important J'adore. d'avoir ça en branding, tu sais, pour Oui. être capable de garder en mémoire. Donc, je suis la Brandiste. Je suis graphiste de formation, dans le fond, diplômée au Collège de la Salle depuis maintenant plus de 14 ans déjà. Ouais. Coach en branding, je te dirais, depuis les 7 dernières années que je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Mon dada, c'est vraiment d'être capable de mettre l'entrepreneur au cœur de sa business et de le proposer en image.
si je pourrais dire. C'est vraiment comme ma façon de faire qui est un petit peu différente des autres. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps que je fais du branding authentique, parce que pour moi, la meilleure façon de développer un brand, c'est d'être capable de mettre la facette puis la personnalité de l'entrepreneur de l'avant, tu sais, en fait, parce qu'avant, on n'a pas tout le temps travaillé comme ça en branding, tu sais, souvent, on créait une identité X pour être capable d'interpeller une clientèle cible, mais je m'amuse beaucoup à faire le contraire, qui est un petit peu moins dans les normes, qui est de vraiment travailler avec la personnalité de l'entrepreneur, puis comme ça, d'aller chercher une clientèle qui le rejoint parfaitement, en fait, puis qui le ressemble, puis avec qui va avoir un plaisir fou à travailler. Fait que... Ouais, c'est intéressant. C'est vrai, tu mets beaucoup l'accent là-dessus, le branding authentique. Puis c'est vrai, je l'avais jamais vu comme ça. T'as raison que très souvent, on va développer en fonction du public cible, et l'entrepreneur doit venir se coller à son brand, alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être le brand qui vient coller à qui est vraiment l'entrepreneur. C'est très intéressant. Oui, mais je pense qu'il y a moyen de fusionner un petit peu des deux, tu sais. C'est pas d'oublier la clientèle Mais cible, non. tout ça, mais c'est d'être capable d'avoir un heureux mariage entre les deux, dans le fond, qui fait que c'est win-win, tu sais, des deux côtés, puis tout le monde y trouve son compte, en fait. Fait que... Oui, absolument. Ouais, c'est intéressant. Donc, tu es graphiste, donc tu sais de quoi tu parles quand il est le moment de créer une image de marque. Depuis 7 ans, Canva, ça existe depuis combien de temps, sais-tu? Hey, écoute, moi, là, je suis pas dans les premières à l'avoir utilisé, hein, mais, tu sais, je te dirais très, très, très populaire depuis facilement les 5 dernières années. Je pense pas qu'il a toujours été très performant, pas autant, en tout cas. Je trouve que depuis les 2 dernières années, là, on travaille vraiment beaucoup avec Canva pour les clients, on dirait qu'ils innovent, là, régulièrement, puis ils ajoutent toujours des nouvelles fonctions, puis ils viennent se rapprocher de plus en plus de nos logiciels de graphisme qu'on utilise normalement. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire dans Canva, mais pour le commun des mortels, là, je te dirais que je trouve qu'ils mettent beaucoup d'énergie là-dedans, puis à rendre ça plus facile à utiliser, puis beaucoup plus d'options aussi, autant pour traiter les textes que les filtres images, un peu comme qu'on pourrait utiliser dans Photoshop, tout ça. Fait que... Oui, je pense qu'eux autres aussi sont en train de prendre une belle envole, ben, tu sais, avec des milliards d'utilisateurs déjà, là, en fait, là. Oui, absolument. Avec un compte gratuit, ça, c'est sûr que la majorité des gens peuvent l'essayer, voir si ça convient. Ouais. Aux gens qui sont là présentement dans le live, on est une trentaine. Si vous avez des questions pour Geneviève, vous vous gênez pas. Des questions sur Canva, on peut aller dans cette direction-là aussi. Moi, je veux vraiment que je lis les commentaires en même temps. Julie a dit ce que j'aime de Canva. Le CEO, c'est une jeune femme, girl boss. On aime ça. Oui. Est-ce que tu les vois les commentaires? Oui, là, je me suis Parfait. connectée sur mon téléphone. Là. Je vais essayer de suivre ça en même temps. Parfait. Ben c'est bon, mais sinon je vais te les lire, inquiète-toi pas, je peux les mettre aussi à l'écran de mon côté. Donc si vous avez des questions sur Canva, tu sais, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux, tu sais, quel type de forfait, si vous utilisez autre chose, est-ce que ce serait pertinent de changer pour Canva ou garder ça? Tu sais, Geneviève est là pour répondre à vos questions, mais aux miennes aussi, parce que j'ai une couple de questions pour toi. Comme je le disais dans ma présentation du live, moi j'enseigne justement. Moi, je suis une non-graphiste qui enseigne les logiciels Photoshop, InDesign à des étudiants de première année au bac en relations publiques. Et justement, ils voulaient quelqu'un qui n'était pas graphiste, qui était pour tout le volet stratégique quand on réfléchit à créer des publications. Et donc, sachant que dans tous les cas, on fait appel la majorité du temps à un vrai graphiste, mais qu'il y a des gens à l'intérieur des entreprises, les entrepreneurs, qui vont devoir gérer ces logiciels-là, les utiliser. Puis à chaque fois que j'apprends ces logiciels-là à mes étudiants, ils reviennent une couple d'années plus tard et disent « Hey, t'avais raison. Hein? » Dans un de mes jobs, on m'a dit « Peux-tu mettre cette photo-là en noir et blanc ou cropper telle photo ou enlever telle affaire avec Photoshop? » Et ils se sont dit « Ah, finalement, c'était pertinent que j'apprenne ces logiciels-là à l'université. » Mais là, depuis les dernières années, je me dis, ouais, je suis en train de. C'est pas moi qui ai décidé que c'était ces logiciels-là qu'on enseignait à l'UQAM, mais on est en train de passer à quelque chose de pas enseigner Canva aux étudiants en com marketing qui vont être
les professionnels de com de demain, puis qui vont, tu sais, peut-être gérer des réseaux sociaux pour des clients qui vont... T'as-tu une pensée, toi, par rapport à ça? Par rapport à cette utilisation-là, peut-être plus à large et dans les universités, dans les cégeps? Oui. Ben, je pense que ça peut devenir un autre logiciel supplémentaire à utiliser. Mm-hmm. Parce que je pense que chaque logiciel a leur force, ouais, a leur utilité, puis selon ce qu'on a à faire, on va se diriger vers un ou l'autre des logiciels, tu sais. Fait que je pense qu'on devrait utiliser et penser à Canva comme logiciel supplémentaire. Parce que c'est sûr que Canva n'ira pas au fond des choses comme Photoshop peut y aller. Mm-hmm. C'est sûr que Canva n'ira pas au fond des choses comme InDesign peut aller ou comme Illustrator peut le faire, par exemple. Tout à fait. Ouais. Mais ça reste vraiment un outil supplémentaire et intéressant. Je te dirais un petit peu plus pratique, surtout quand vient le temps de penser à publication pour les réseaux sociaux, ouais, ou images utilisées pour le web, je te dirais. Tu sais, je pense que pour l'imprimerie, InDesign va toujours rester comme le premier au-dessus de la liste pour plein de raisons, pour les gros documents multipages, pour... Tu sais, c'est des logiciels avec des milliers de fonctions, puis même en tant que graphiste, tu sais, moi j'ai une équipe et on travaille avec d'autres graphistes. Ouais. Et on travaille même pas de la même façon avec les mêmes logiciels tellement qu'il y a de possibilités différentes. Tu sais, selon notre branche, ou si t'es dans l'édition, tu vas te servir d'InDesign d'une façon. Si t'es en publicité, tu sais, je veux dire, il y a plein, plein, plein de façons d'utiliser chacun de ces gros logiciels-là, tu sais. Fait que je pense que ça devient un autre logiciel à utiliser vraiment, vraiment. Tu sais, je pense que c'est le fun d'avoir Photoshop, mais si tu l'utilises, exemple, juste pour mettre tes photos en noir et blanc, ou pour cropper tes photos, ou pour faire un petit filtre dessus, probablement que Canva va être capable de te l'offrir, puis que ça va être beaucoup moins compliqué. Et moins cher. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis tu vas avoir moins de temps à prendre pour vraiment te plonger dans le logiciel puis comprendre les 800 fenêtres qui sont possibles d'avoir quand tu travailles. Tu sais, c'est ça souvent qui va venir mêlant. Tu sais, parce que, tu sais, quand on fait notre cours en graphisme, moi, quand j'ai fait mon cours au Collège La Salle, tu sais, je veux dire, on a un an juste pour apprendre à maîtriser comme l'essentiel de tous ces logiciels-là. Tu sais, fait que c'est des grosses machines, là, tu sais, fait que c'est juste ça qu'il faut se poser comme question, je pense, c'est est-ce que c'est nécessaire ou qu'est-ce que Canva peut me permettre de faire et est-ce que ça répond à mon réel besoin? Si oui, ben on n'a pas besoin d'aller peaufiner puis approfondir dans des gros logiciels comme ça. Puis comme tu dis, c'est beaucoup moins dispendieux parce que la suite Adobe, tu sais, c'est des gros frais, là, mensuels, toujours, ouais. Oui, absolument. Moi, tu l'as sûrement aussi, là, une quarantaine de dollars par mois pour, évidemment, avoir toutes les mises à jour du logiciel. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun? Une amie à moi, Audrey, m'avait dit, on peut poster sur les réseaux sociaux, je crois, à même Canva. Donc, tu peux créer une publication et la connecter. Donc, tu n'as même pas besoin de télécharger la photo en question sur ton ordinateur. Tu peux le faire. Donc, déjà, ça te sauve énormément de temps. Hein? Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais je peux m'imaginer que ça sauve beaucoup de temps. Là. Oui, mais ça, c'est nouveau. Là, je te dirais, là, moi, je ne suis pas super bonne dans le temps, là, mais ça fait, je te dirais, peut-être un an qu'ils ont sorti ça, cette branche-là de publication. OK. Fait que, tu sais, à voir. Tu sais, je te dirais, est-ce que je prendrais... Puis là, tu sais, je suis pas là, on dirait qu'à toutes les fois, je suis comme... Tu sais, moi, c'est parce que moi, je pense que ce midi, qu'est-ce qu'il faut comme vraiment comprendre, c'est qu'il faut faire la nuance, tu sais. Oui. Est-ce que le volet de programmation, de publication Canva est plus adapté que, mettons, une plateforme externe spécialisée dans la publication? Non. Mm-hmm. Est-ce que ça peut comme être un bel outil de départ? Ou, tu sais, pour te Absolument. Servir. Bon, oui. Tu sais, c'est ça qui... Mais c'est super intéressant. C'est comme tu dis, tu sais, on peut faire le visuel, après ça, aller le mettre directement dans le calendrier, qu'on voit vraiment en calendrier. Bien, c'est on ça. On voit que notre image est là, intégrer notre texte, c'est il y a, super. Il y a des questions, justement, je vais regarder les questions qui sont rentrées, parce qu'il y en a une par rapport à ça, mais Nadine, je suis pas sûre de comprendre ta question. Tu dis, est-ce qu'on peut l'utiliser comme support dépannage. Je suis pas certaine de comprendre ce que tu veux dire, si tu peux préciser. Sinon, Cynthia dit, t'as ton calendrier de publication sur Canva, c'est super simple.
Donc, ça, c'est un ajout aussi qui est vraiment intéressant. Nathalie, elle nous dit « Salut les filles, moi, je dois mettre des photos de tissu. Est-ce que Canva serait pratique pour ma boutique, pour les vraies couleurs? » Ben oui, parce que Oui. vas-y, élabore là-dessus, mais je vois pas de problème. Oui. Non, non, le Canva, là, va toujours vous donner un beau rendu photo selon la photo que vous lui donnez. Ouais. C'est comme Photoshop, tu sais, dans le sens que ça, c'est... Tu sais, on rentrera pas dans l'histoire de résolution, mais quelle qualité a votre image au départ? Ben, il va la respecter, tu sais, si vous la sauvegardez avec une belle qualité aussi. Dans Canva, il nous recommande PNG, par exemple, pour le web, Pour le pour web. sauvegarder. Ben, ça va être parfait, là, tu sais, c'est la qualité de votre photo de départ qui va faire la différence. Puis ça, que vous travaillez dans n'importe quel logiciel, que ce soit Photoshop ou que ce soit Canva, si vous commencez avec une photo qui est grosse comme ça, exemple résolution, puis que vous l'amenez à 4 fois la grandeur qu'elle est supposée d'avoir, ben c'est sûr qu'elle va Peu être importe, ça pixelisée. marchera pas, c'est ça, C'est ouais. ça, peu importe. Mais sinon, oui, parce que sur Canva, ce que ça peut vous permettre de faire aussi, puisque moi, je trouve qu'elle est là, la force de Canva, c'est d'être capable de dupliquer du contenu rapidement et facilement. Donc, un même gabarit, exemple, pour une boutique en ligne pour présenter un produit, peut être fait. Puis ensuite, ben, vous pouvez juste, exemple, changer la photo pour l'exemple qu'il y a ici de tissu. Ouais. Puis c'est fait. Tu sais, tu as Ouais. 3 secondes d'écart. Tu n'as pas besoin d'ouvrir un autre fichier comme dans Photoshop, de réinclure, de resauvegarder. Tu sais, tout peut être à la même place et bien organisé directement dans votre Canva avec des dossiers. Tu sais, fait que pour ça, je trouve que c'est super complet et c'est facile de s'y retrouver, là, tu sais. Ouais. Excellent. Il y a d'autres questions. Nadine, elle a précisé un peu sa question. Elle dit dépannage pour une image, médias sociaux, publication rapide, une ébauche d'une idée, tandis que Photoshop InDesign, ça va être beaucoup plus pour des contenus. Ben, plus de qualité, non, je pense pas, hein. Je pense que, comme on vient de le dire, le niveau de qualité va être le même. Tu sais, comme tu dis, c'est la résolution. C'est aussi, ben, faut que ta photo soit dans le bon mode colorimétrique, là. Si tu mets une photo Oui. qui est en CMJN pour l'impression, puis que tu la mets sur le web, ça se peut que les couleurs soient un petit peu bizarres, là. Fait Ouais, que, tu sais, toutes ces oui. petites choses-là, faut les valider. Puis, tu sais, justement, puis Joanne, elle demande comment on fait pour s'initier à Canva. Ben, Geneviève, tu as une formation, les gens peuvent aller voir ce que tu offres. Tu offres une formation pour s'initier à Canva, puis vraiment Oui. apprendre à le maîtriser. Ben oui, Ouais. oui. Oui, j'ai vraiment, parce que je le voyais que le besoin était là et le défi aussi d'être de plus en plus autonome dans la création de ces visuels Ouais. sans nécessairement avoir à aller jouer parce que ça ne tente pas toujours là, d'avoir toutes les grosses formations pour les gros logiciels puis les coûts qui Ouais. sont reliés à ça. Était là, la demande était là. Mes clients, je le vois, mes clientes travaillent uniquement quasiment avec Canva aujourd'hui, tu sais. Fait que, je me suis dit, pourquoi pas être capable de les épauler puis leur faire voir mon œil de graphiste aussi à l'intérieur du Ben, Canva, tout c'est leur ça. présenter toute la multitude d'outils qu'il y a à travers ça, puis Ouais. c'est quoi mes trucs puis les façons de faire pour être le plus efficace possible aussi, puis pas se perdre dans ce logiciel-là, même s'il y a beaucoup moins d'outils, mais il reste que c'est le fun d'avoir comme une visite d'idée puis d'être capable de tout de suite dire, ben voici, tu regardes à telle place pour aller chercher des images, pour aller chercher des polices de caractère, pour aller chercher des vidéos. Il y a tellement de choses encore, tu sais. Fait que oui, j'ai une belle formation sur mon site web pour maîtriser Canva comme une pro. OK. Ouais. Excellent. Ben, les gens iront voir ça. Sinon, Cynthia a dit qu'elle a déjà suivi une formation sur Udemy qui l'a aidé beaucoup. Donc, il existe plusieurs types de formations, dont la tienne. Moi, là, en fait, là, ce que je comprends et ce que je réalise, c'est parce que moi, okay, je maîtrise les logiciels Photoshop InDesign comme une technicienne. Dans le sens que ma graphiste, elle va toute me créé, tu sais, tout mon brand, c'est toute elle qui l'a créé. Puis elle m'envoie les fichiers. On a une entente que j'utilise les fichiers pour les fins qu'on a négociées ensemble, là. Oui. Dans le sens que je les modifie juste qu'est-ce que je dois modifier. Donc les photos, tu sais, comme l'invitation pour le Facebook Live, ben mon Canva, mais il est dans Photoshop, mon Canva, il est tout déjà fait. Puis là, je viens juste double-cliquer sur la photo de l'invité, je change le nom, je change le titre, j'importe ça en PNG, puis je le mets sur mes différents réseaux sociaux. Mais ce que je comprends, c'est qu'on pourrait faire exactement la même chose. Donc, ma graphiste pourrait me bâtir tout un visuel que je mets dans Canva et que je peux venir modifier directement dans Canva au gré de mes besoins. Oui, c'est ça.
pour ce besoin-là, Canva serait... est parfait. C'est vraiment là que je trouve que tu vas chercher la vraie plus-value, tu sais, quand il vient le temps de modifier puis de dupliquer beaucoup de contenus qui sont similaires, tu sais. Ouais. Puis, j'ai le goût de t'amener sur un autre sujet que je pense que les gens pensent pas nécessairement, c'est on peut travailler avec le logiciel comme Canva, mais en apportant, comme tu le fais, Ouais. des éléments externes à Canva. On peut importer des éléments visuels qui sont directement reliés avec votre branding, des illustrations qui sont faites par votre graphiste, Ouais. des photos qui ont une certaine finition que vous avez travaillé dans Photoshop. Tu sais, souvent, c'est qu'on pense que là, parce qu'on a un logiciel, bien là, il faut qu'on utilise exactement ce que lui nous offre, Ouais, c'est ça. sans nécessairement voir les possibilités, puis comment on peut le travailler différemment comme un logiciel de graphiste. Tu sais, parce que si on travaille avec Photoshop, là, on va importer une photo, on Oui. va aller chercher nos polices de caractère, on va les installer sur notre ordinateur pour être capable de travailler avec. Sauf que quand on travaille avec Canva, souvent, c'est ce côté-là que les gens ne font pas. Tu sais, ils pensent pas qu'il y a d'autres images ailleurs qui existent que celles qui sont proposées, qu'il y Ouais. a d'autres éléments graphiques qui peuvent être importés, tu sais. Absolument. Ouais. Pendant que tu parlais, j'étais en train de j'ai un peu j'étais un petit peu nonne parce que j'ai un lien d'affilié pour sa formation. Puis Oui. je vous Profites-en. Ben c'est ça, puis là je le cherche comme une nonne, je l'ai pas mis. Bon, en tout cas, Geneviève Cynthia elle a mis votre elle a mis ton lien de ta formation. Ouais. Puis là, ben, Colin Debine, j'ai pas pris mon lien d'affilié. Hey, c'est vraiment pas grave. L'important, c'est que les gens aient accès. Moi, mettre ton lien, mon lien d'affilié ailleurs, inquiète-toi pas. Ben oui, partage. Donc... Là, ça va encourager Patricia en même temps, là. Hein? C'est du win-win. Ça. Ben, c'est du win-win, l'affiliation, c'est ça. Bref, je l'ai pas, tant pis pour moi. Donc, Cynthia l'a mis, puis sinon, je vous l'enverrai, là, Joanne Martel, là. Mais garde, tu peux passer par ce lien-là. On verra la prochaine fois. mais non, c'est une tisse parfaite. Écoute, au contraire, t'as été plus vite que moi, c'est bien parfait. je t'enverrai, Joanne, mon lien. Il n'y a pas de presse. Ensuite, donc, il y avait d'autres questions. Il y avait d'autres ou commentaires. Geneviève Boucher dit, pour les vraies couleurs, bon, c'est ça, il faut savoir que chaque écran va donner des couleurs différentes. On ne peut pas contrôler le setup des autres écrans, donc on peut juste... Nous... Lâcher prise. Voilà. C'est bon. Exactement. Tant pis. Regarde, faut pas virer fou. Exactement. Mais non, mais nous, on a des écrans qui sont gros de même, qui sont tous calibrés. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, faites juste l'exercice. Moi, on m'a fait faire cet exercice-là, une petite parenthèse, quand j'étais en graphiste, justement, au Collège de la Salle. Puis j'ai fait comme, ouais, c'est vrai, je pense que j'aurais jamais le dessus là-dessus. Puis surtout quand on fait du web, Patricia, tu vas me rejoindre là-dessus. Mais tu sais, vous regardez avec un laptop, là. Faites juste incliner différemment votre écran, là, puis vous allez voir toutes les couleurs que votre écran change. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il faut y aller avec le... Tu sais, ça va être très important en impression, tu sais, qu'on puisse les bonnes couleurs. Mais pour le web, ça, c'est tellement partagé sur des écrans différents qu'il faut un peu lâcher prise à ce niveau-là. C'est sûr que si votre verre sort vert fluo, là, c'est une autre histoire, là, probablement que là, il y a un problème plus grand, là. Yeah, c'est ça, c'est peut-être le code de couleur, puis là, il faut travailler à certaines choses, là. Mais tu sais, moi, ça m'arrive des fois, j'ai des clients qui mettent, qui capotent, parce que là, ils mettent une photo dans WordPress, puis c'était une photo dédiée à l'impression, puis là, toutes les couleurs deviennent fluo, puis je suis comme, ben, on va juste aller changer le mode de couleur dans Photoshop ou dans Canva, ou le logiciel que tu utilises, puis on la réimporte, puis la vie est belle, là, la photo va redevenir comme elle se doit, là. Ouais. Mais ceci dit, par exemple, si vous voulez travailler vraiment avec vos couleurs de branding, ça, c'est hyper important. Puis dans mon live de ce matin, c'est ça que j'expliquais. Tu sais, je veux dire, la charte graphique, la charte de couleurs, toutes les bases, dans le fond, de votre identité visuelle, on doit les respecter, même si on est dans un logiciel qui s'appelle Canva, là. Complètement. Tu sais, vous êtes capable d'aller chercher vos propres codes de couleurs, les rentrer dans l'onglet identité visuelle sur Canva. Pour ça, c'est super bien fait aussi, puis c'est vraiment facile à utiliser. T'sais, vous êtes capable d'utiliser les mêmes couleurs. On commence pas à
utiliser la pipette, là, puis avoir un jaune qui À ressemble à peu peu près. près Non, 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 à... non, c'est Il n'y a ça. pas d'excuse, là. Vous êtes capable de trouver votre bon code puis de le mettre là, dans Canva. Là. Ça, il n'y a pas de problème. C'est facile à être utilisé comme ça. Ah oui, absolument. Puis, OK, super. Je regarde s'il y a d'autres questions. Attends un petit peu. Ouais, Cynthia dit utiliser Canva 2.0. Y a-t-il une version 2.0? Y a-t-il plusieurs versions? Ah, oh, ben je pense que si vous téléchargez aujourd'hui, là, on est tout le temps dans la nouvelle version. Là, je sais là, quelques années, on était comme à cheval entre les deux, là. Et là, ça me remonte un petit peu plus loin. Je pense que si vous... Là, je vais vraiment de mémoire, peut-être que je vous dis des niaiseries, là. Mais si votre interface de travail, elle est noire, le côté de votre menu est noir, vous êtes vraiment dans la version la plus récente. OK. Ceci dit, si vous voulez être certaine de ne pas vous tromper, maintenant Canva, parce qu'avant, c'était seulement qu'accessible sur Internet. Donc, c'est vraiment une app... c'est pas une application. Ben oui, là, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone ou sur votre tablette, Mais mais c'est c'était un vraiment. dans le cloud, là, c'était C'est ça. un logiciel, ouais. Ouais. Maintenant, vous pouvez l'installer sur votre PC ou sur votre Mac. OK. Fait qu'en ayant ça, de toute façon, vous avez toujours la meilleure version, la version mise à jour. Ils vont vous demander de faire des mises à jour aussi. Puis c'est intéressant parce que vous n'avez pas toujours besoin de vous reconnecter, dans le fond, à votre compte. Puis c'est accessible dans vos applications, en fait, là. Fait que. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, si je reviens à ma question de départ, puis est-ce que tu conseilles ça, toi aussi, de dire aux gens, parce que moi, qu'est-ce qui m'inquiète de ces plateformes-là, c'est que les gens font n'importe quoi, puis c'est pas parce qu'ils sont, c'est parce que quand tu connais pas ça, c'est normal. Tu sais, moi, j'engage des gens pour faire des jobs que je suis pas capable de faire parce que je comprends pas ou je suis pas bonne, là, puis c'est pas, tu sais, pour dénigrer qui que ce soit. Mais tu sais, on voit des affaires un petit peu weird des fois dans le design, là, tu te dis, mais tu sais, c'est tellement busy, il y a tellement d'affaires, on comprend rien, on voit rien. Puis là, tu te doutes bien que c'est pas un graphiste qui est derrière ça, là, parce qu'un graphiste qui se respecte, tu sais, il y a certaines règles à respecter. Toi, t'as pas peur à une genre de dérive que Canva arrive, puis que les gens font un peu n'importe quoi, puis ça devienne comme Une ça, pizza. une pizza. Ça donne mal au cœur, là. Oui, puis il est là le danger. C'est qu'il faut. Je vous dirais que vous devriez utiliser Canva pour votre autonomie une fois que les fondations et les bases ont été bien établies. OK. T'sais, vous Ouais. partiriez pas là, comme ça là, avec un InDesign ou un Photoshop, là, t'sais, si vous seriez capable de le. T'sais, faut être capable d'avoir sa ligne directrice. Moi, je pense qu'une fois que ta ligne directrice, elle est établie, t'sais, de faire vivre ton image de marque avec Canva, Ouais. hein, t'sais, c'est ça aussi, c'est d'être Ouais. capable d'utiliser puis de travailler avec une graphiste pour avoir les bonnes bases Ouais. pour développer des gabarits de publication, des gabarits de visuels que vous utilisez constamment dans votre année pour vous promouvoir, pour plein d'affaires. Puis de là, après ça, vous devenez autonome puis vous êtes capable d'aller changer les photos, comme toi tu disais, pour les invités live des Ouais. vendredis. Pour une nouvelle promotion, pour présenter un nouveau produit, un nouveau service, un témoignage, une recommandation, un peu importe, mais c'est ayez des bases. Tu sais, Canva vous en offre des gabarits corrects pour commencer, si vous les modifiez un petit peu, mais le mieux, du plus efficace et vraiment travailler avec un graphiste au départ, puis après ça, avoir l'assurance que vous faites les choses correctement, tu sais. Puis je trouve que ça vient rejoindre ce que je te disais tantôt, puis et là, je trouve la valeur ajoutée du Canva, c'est d'être capable aussi d'intégrer des éléments qui vous appartiennent à l'intérieur de Canva. C'est là que Ouais. vous allez vous démarquer parce que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai mon œil est plus aguerri, puis je le vois sur les réseaux sociaux, mais. T'sais, je suis capable de voir là, si c'est un gabarit, là. Parce que souvent, on Ouais. voit les mêmes visuels ou les mêmes éléments qui reviennent pour différentes entreprises. T'sais. Fait que ça, c'est la même chose que si vous faites une carte d'affaires faite, préfaite avec un modèle, que ce soit chez Bureau en gros ou n'importe où. Je parle même pas. Vista Ouais, Print, c'est ça. l'offre, là, oui. T'sais, moi, c'est déjà arrivé là, que dans une soirée de réseautage, j'ai deux cartes Il identiques. y a Une juste le notaire, nom qui change. puis une compagnie de construction, tu sais, Oh mon ça Dieu. l'enlève un petit peu de crédibilité, tu sais. Ouais. Fait que
d'être capable d'avoir des bonnes bases puis des éléments vraiment faits sur mesure pour vous, qu'on est capable d'intégrer après ça dans Canva. Là, vous êtes On est en en quête business. du lac. Ouais. Fait que Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. donc, faire appel à un graphiste pour développer son brand, pour développer différents types de contenus qui pourront être utilisés toute l'année. Tu sais, comme juste moi, mon exemple, ben, j'ai déjà le visuel de mes Facebook Live. Là, vous voyez, on est les deux, on a nos deux visages, mais il y a tout cet encadré-là que j'ai tout fait faire par ma graphiste, que je suis venue appliquer. Bon, puis par-dessus, je mets nos faces, les Ouais. caméras. Mais tu sais, bon, mon invitation pour mes Facebook Live. Puis évidemment, vu que je suis capable de bien utiliser Photoshop, je le fais moi-même. Mais si je n'étais pas capable, il faudrait qu'à chaque fois, je demande à ma graphiste. Ben, tu peux-tu changer la photo d'une telle? Tu sais, pour elle, c'est pas du gros travail à valeur ajoutée, là. On s'entend, elle a fait de la création, là. C'est pas de l'infographie, de juste changer une photo. Fait que dans le fond, Ouais. c'est ça. Si je résume ce que tu me dis, c'est on développe un brand avec une graphiste, avec quelqu'un qui, c'est son métier, puis on utilise un outil comme Canva pour, ben, comme je le disais, le sujet du Facebook Live, faire vivre son brand. Pouvoir l'utiliser le, sur le plus de plateformes possible. Oui, multiplier après ça son contenu. Tu sais, je pense qu'elle est là vraiment la valeur ajoutée de Canva. Tu sais. Puis hier, quand j'ai lu ta publication, il y avait quelqu'un qui écrivait en dessous pour, mettons, les rapports annuels ou pour, tu sais, Oui. qu'elle utilisait InDesign. Puis, Ouais. tu sais, parce qu'il y a pour certaines choses que Canva va être vraiment efficace. T'sais, si vous avez, exemple, un e-book ou, tu sais, un petit document partageable, PDF, PDF, ouais. ça va être parfait là, que vous ayez. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 100 pages, que je trouve déjà beaucoup là, sur Canva, là, mais un document. T'sais? Fait que ça peut être bien, mais c'est certain que quand vous arrivez avec des multipages, là, c'est là que ça va valoir la peine de garder votre budget puis de travailler vraiment avec un graphiste pour des choses vraiment plus pointues comme ça, puis d'aller le faire dans InDesign parce que il y a plein de choses qui vont aller beaucoup plus rapide dans ces logiciels-là qui sont pas faites comme ça dans Canva. Tu sais, que ce soit comme garder le style de votre police de caractère, la même grosseur de format, avoir des boîtes de texte établies. InDesign va tout vous faire ça. Tu sais, on est capable de faire la pagination automatique. On est capable. Il y a plein de choses que dans Canva, vous allez être obligé de faire manuellement. Tu sais, fait que si c'est pour un cahier d'exercice avec un titre, des lignes à remplir, il n'y a pas vraiment de problème dans Canva, tu sais. Mais les rapports annuels ou des choses plus volumineuses ou des livres, des manuels, là, c'est sûr qu'il vous faut des InDesign. Puis, est-ce que, tu sais, quand tu. Donc, la notion de imprimé versus numérique est quand même importante. Est-ce qu'on peut, dans Canva, si mettons, on décide d'utiliser Canva pour de l'imprimer, est-ce que il fait les lignes de coupe? Est-ce que c'est. On peut exporter dans les. OK, parfait. Donc, il y a quand même. Vraiment les marges perdues, les marques de coupe aussi, en PDF, haute résolution, vous avez tout le temps les deux formats différents. Fait que OK. c'est des petits documents, oui, mais moi, dans l'impression, je suis vraiment pointilleuse dans Canva, puis c'est là que je suis souvent frileuse. Probablement parce que là, je suis une graphiste de, tu sais, je me dis, faites attention à votre qualité. Puis là, on ne Ouais. travaille pas, comme tu disais tantôt, avec les. Tu sais, moi, je l'ai juste en anglais, parce que j'ai fait mes cours en anglais, mais le CMYK ou le Ouais, RGB. Tu CMJN, RVB, ouais. sais, là, ça commence à être dangereux et un terrain glissant là, dans Canva pour savoir comment vous imprimer à la suite. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui font des petits e-books, qui font imprimer, qui n'ont pas de problème, mais souvent, je leur dis, fais un test d'impression Ah avant. oui, oh mon Dieu, avant d'envoyer en Parce grosse que. quantité, ouais. C'est ça, c'est ça. Tu sais, fait que c'est d'être prudent puis de faire attention. Tu sais, pas commencer à faire des 500 copies de quelque chose qui va vous coûter puis que finalement vous allez vous apercevoir que votre image est pas assez bonne qualité, là. Tu sais, fait que. Absolument. Ouais, ouais, ouais. Dans les commentaires, il y a Juan, je sais pas comment tu dis ton nom. Donc, il dit ou elle dit Canva, c'est bon pour quelqu'un qui connaît pas ça, mais Photoshop et InDesign offrent beaucoup plus de flexibilité et de précision. Les standards vont changer à cause du fait que Canva est user-friendly. Puis, toi qui es graphiste, les graphistes de manière générale, tu sais, c'est un peu si je peux faire la comparaison, les programmeurs, quand WordPress est arrivé aussi performant, tu sais, il y a beaucoup de programmeurs, veux, veux pas, qui vont dénigrer WordPress parce que c'est comme du plug and play, puis c'est comme trop bébé, trop facile, alors qu'il y en a Ouais. d'autres qui vont dire que WordPress c'est trop compliqué, là, il y a comme les deux écoles de pensée.
Qu'est-ce que les graphistes disent de Canva? C'est une menace pour les graphistes? Ben, je pense que je te dirais que oui. Tu sais, moi, je me fais beaucoup appeler, puis là, j'y vais vraiment, je parle pour moi, là, tu sais, je veux pas prendre la parole pour personne, là, mais dans tout respect, puis dans ce que je vois, mais je me fais beaucoup appeler pour des formations Canva, parce qu'on me dit, tu sais, les graphistes du réseau veulent pas le faire, ou, tu sais, il y a comme encore un entêtement, sauf qu'à un moment donné, tu sais, on suit la vague, puis on épaule nos clients avec les besoins réels qu'ils ont présentement, puis qu'est-ce qu'ils vont de toute façon faire, ou on reste dans notre boîte à dire « c'est comme ça qu'on a toujours fait, puis c'est comme ça qu'il faut... » Fait que c'est pour ça que je trouve intéressant de faire le pont avec faire les bonnes bases, faire des éléments graphiques qui sortent du lot, travailler avec Canva comme on travaillerait avec un autre logiciel, parce que de toute façon, c'est la réalité de l'entrepreneur d'aujourd'hui, avec le nombre de visuels qu'on a besoin pour se promouvoir sur les réseaux sociaux. Les choses changent, les programmes de formation, les... Il y a tellement, tellement, tellement d'éléments à créer aujourd'hui qu'ils vont aller d'emblée quand même essayer de faire quelque chose par eux-mêmes ou le demander à leur adjointe virtuelle, par exemple. Moi, je suis plus ça, tu dois en former... pas leur montrer correctement à le faire. Tu dois en former beaucoup des adjointes virtuelles, hein, justement, qui ont ces tâches-là de souvent animer les réseaux sociaux puis créer, bâtir des visuels à partir du brand du client. Oui, gestionnaire médias sociaux, beaucoup. Adjointe virtuelle aussi. Parce que souvent, ils sont obligés de prendre le rôle un peu de la graphiste, de la gestionnaire marketing. Souvent, ils ont comme plusieurs chapeaux, puis ils doivent être capables de connaître puis d'avoir la philosophie. Les gestionnaires médias sociaux, beaucoup, parce que souvent, les entrepreneurs vont arriver puis vont leur donner « bon, mais j'ai des publications », mais c'est comme « ok, mais t'as-tu une ligne directrice pour tes visuels? » T'as-tu, tu sais, je veux dire... T'as-tu une charte graphique? Oui, c'est ça, aux gestionnaires de réseaux sociaux, juste pour leur... pour leur amener cette philosophie-là de dire « Attends un peu, là, je vais te le montrer à quoi ça ressemble une charte graphique. Ton client devra avoir des couleurs, des typos propres à lui, des éléments graphiques, des textures. » Tu sais, parce que c'est ton rôle aussi de l'accompagner là-dedans puis de dire « Écoute, si tu veux être reconnu sur les réseaux sociaux, mais il faut que tu aies une cohérence dans toutes tes apparitions. » Puis ça, de la façon de l'avoir, c'est en ayant une image de marque forte, tu sais, puis constante, tu sais. Puis ça me fait penser, c'est tellement pas juste dans notre domaine de la com ou du marketing, tu sais, même si on pense en comptabilité, là, QuickBooks, par exemple, il y en a beaucoup, là, des comptables qui veulent pas, qui ont, tu sais, qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans sur un logiciel, puis qui est pas dans le cloud, puis qui veulent pas que le client puisse aller toucher ses affaires, puis tu sais, il est bien le jaloux là, de son truc, mais c'est que ces gens-là aussi, s'ils évoluent pas, puis qu'ils se mettent pas au niveau des besoins des gens du marché, ben ils vont passer à côté de quelque chose. C'est le même principe. Et je me souviens, moi, je travaillais pour un centre de transfert de connaissances. Mettons, on est en 2008, puis je voulais 2009, puis je voulais intégrer un outil de gestion de projet. Puis je cherchais sur le web, puis je tombe sur MS Project. Puis je dis « Ah, ça pourrait être popé. » On se fait faire une présentation. Le gars, il vient nous faire une présentation de MS Project. Il dit « Ah, c'est ça qu'ils utilisent à la STM pour la construction des autobus, là, toutes les étapes. » Là, moi, j'étais comme... C'est parce que moi, mon projet, là, il y a genre 8 étapes, puis on est 3,5 dedans, là. Genre, on n'est pas... Il n'y a pas, genre, 800 personnes sur un chantier à bâtir des autobus, là. J'ai pas besoin d'une grosse machine, un gros bateau de même. Puis à ce moment-là, Trello, Asana, peut-être ça existait, là, mais je les ai pas vus, là. Non. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est ça, tu sais, j'ai des clients, là, ils ont besoin d'un... Puis justement, je sais pas si Julie Brouillette, si elle est encore là, qui offre une formation Asana. Puis ma bonne amie Audrey Patry-Hérard qui va bientôt offrir une formation, qui offre déjà, mais qui est en train de peaufiner une formation QuickBooks. Mais c'est tout, on parle exactement de la même chose, dans le fond. Ben oui! Tu sais, c'est vraiment... Tu suivre le courant, tu sais, je veux dire, plus ça va, plus... Puis là, on sort un peu de... Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, tu sais. Suivons le courant. Pourquoi être à contre-courant? Tu sais, je veux dire, les gens veulent de plus en plus être informés. Ils veulent savoir de quoi ils parlent. Ils veulent être capables. Ils veulent pas nécessairement tout faire, mais en étant entrepreneur, là,
On a besoin de comprendre toutes les facettes de notre business. On n'est pas obligé de les maîtriser, mais on se doit au moins de les comprendre, tu sais. Fait que c'est sûr que les gens vont aller toucher à Canva à un moment donné. C'est sûr qu'on va voir les bénéfices. On les a tous vus de QuickBooks pour pas avoir, tu sais, pour être capable d'avoir un œil sur nos chiffres. Puis de, tu sais, il y a plein de choses faciles comme ça. Fait que je pense que c'est là aujourd'hui qu'on se démarque, tu sais, c'est d'être capable de dire, ah, ben faisons les choses autrement, tu sais, puis épaulons nos clients dans la voie qu'ils vont prendre pour être plus autonomes, en fait, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime Canva, je pense, parce que ça donne vraiment ce pont-là. Puis, si tu savais le nombre de personnes qui ont fini de travailler avec elle, puis, tu sais, moi, je travaille beaucoup en co-création, hein. Fait que je travaille en partage d'écran, on travaille ensemble, l'image, je l'amène dans Canva, on développe les gabarits. Fait que les femmes, ils me voient travailler là. Les hommes, je vous aime beaucoup, c'est juste parce que j'ai principalement ma clientèle, elle est C'est des femmes. féminine. C'est pour ça que ton brand est au féminin aussi, là, comme une pro, mais ça veut pas dire que C'est ça. t'es Non, anti-homme, non, là. non. Non, non, Hein, non, non. là? Bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je les aime, je les aime. Je me suis aperçue, j'aime beaucoup l'énergie féminine aussi. Puis ça, c'est. Les hommes l'ont aussi. Je pense que c'est l'ouverture d'esprit, finalement, que j'aime. Mais ça, Ah, c'est un c'est autre un débat. processus qui se passe dans ma tête, c'est ça. C'est bon. Mais ce que je voulais dire là-dedans, oui, c'est ça, c'est que les gens comprennent comment que je fonctionne, comment que je le travaille, puis ça leur donne de l'autonomie. Puis quand ils finissent la journée, ils sont comme, ah, hey, merci, j'ai enfin compris, puis je vais être capable de le faire par moi-même. Non, Puis mais tu sais, toi, tu as une formation préenregistrée, mais tu offres aussi du coaching comme ça en one-on-one ou en petit groupe. Comment tu fonctionnes? ouais, en journée, vraiment en one-on-one. Donc, c'est vraiment du développement de projet. Dans le fond, on se boucle une journée, c'est 6 heures. Donc, si on a besoin d'une brandiste pour développer, mettons, je pourrais te dire, un volet de son entreprise, un nouveau service, où on veut repeaufiner, améliorer son image de marque, où on s'aperçoit qu'on a un logo. Mais il n'y a rien d'autre autour. Tu sais, on veut vraiment se créer comme l'univers. Bon, ben là, on va se plonger ensemble, moi, l'entrepreneur, 6 heures. Puis là, on va travailler des choses, on va jaser ensemble. Fait que, tu sais, j'ai mon volet coaching qui commence le début de la journée pour être capable de bien identifier c'est quoi la marque de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut mettre de l'avant. Puis après ça, on va aller peaufiner puis bonifier, dans le fond, son image de marque. Puis d'aller dans le sens de qu'est-ce qu'il y a de besoin. S'il y a besoin d'un e-book, il y a besoin d'un nouveau produit, d'une nouvelle promotion. Il fait un lancement, il y a peut-être besoin d'un bandeau d'infolettre, de promo, d'un bandeau Facebook pour l'annoncer, d'une série de vignettes pour des lives vidéo, peu importe. Mais là, on est capable vraiment de le faire tout ensemble, tu sais. Puis moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup dans Canva, parce qu'après ça, mes clientes, ils veulent, tu sais, comme Ils peuvent continuer l'utiliser chaque tel année. quel. Ouais, c'est ça. Tu peux Oui. leur bâtir, leur partir. Parce que Cynthia pose une question. Elle dit quand on a découvert notre voie avec Canva puis qu'on veut acquérir des bases de graphisme, c'est un peu ce que tu offres. Tu peux. T'es accompagnes autant au niveau du logiciel technique qu'au niveau des choix. Les choix des couleurs, les choix des textures, les choix. Qu'est-ce que ça va refléter, comment ils vont refléter justement leur personnalité. Donc, oui, peut-être Cynthia, tu pourrais contacter Geneviève, voir ce qui est possible avec elle. Laurent aussi. Laurent dit un petit peu plus haut, Laurent, tu disais, je crois que tu es graphiste. Ouais, c'est Laurent, il dit, je suis graphiste, je suis d'accord avec vous, Canva devient une référence à connaître pour utiliser sur les réseaux sociaux notamment. Puis ensuite, certains clients n'ont pas de graphiste, donc Canva va leur servir. Ben oui, moi là, aussi au début, tu sais, puis je vais faire la semaine prochaine, je fais un Facebook Live avec Olivier Lambert, on va faire un Facebook Live, on va créer un site en 1 heure et demie. C'est un Je vois. défi, OK? C'est un défi, là. OK, il y a bien des chances qu'on réussisse pas. Hein, dans la vie, on se lance des défis, on les réussit pas toutes. Et dans ce défi-là, il y a aussi de créer un logo. On crée un logo, une petite image de marque, puis un site. On s'entend. Et là, je le sens déjà, les tomates que je vais recevoir, là, puis je vais me couvrir, là, parce qu'évidemment, je sais très bien qu'on peut pas bâtir un site en 1 heure et demie. Je fais ça de ma vie depuis les 6 dernières années, et même 10 dernières années que je suis dans le domaine. Et je sais très bien encore moins créer un logo et une image de marque. Mais ce que je veux démontrer avec ce live-là, c'est qu'on peut bâtir des choses, qu'on a des outils à la portée de notre main. Et moi, juste un exemple. Quand la pandémie est arrivée, il y a eu des entrepreneurs qui ont dit « J'ai pas de site, j'en veux un, mais genre, j'en aurais besoin d'un demain matin. » Mais c'est possible. Tu peux avoir un site demain matin.
il va avoir rien dessus, là. Il va avoir tes coordonnées, il va avoir ta description de ton service, mais tu vas avoir un site. Tu achètes un nom de domaine, tu setup un hébergement, tu mets WordPress, tu te fais un petit logo rapidement, puis go, tu pars. Mec, le cash rentre, là, t'iras t'en faire un brand, puis mec, le cash rentre, t'iras t'en faire un vrai site, OK? Ouais. Mais, tu sais, la journée où tu veux lancer quelque chose, puis moi, c'est un peu ça le défi que je veux me lancer, soyez là en grand nombre pour rire de moi ou me féliciter, on verra qu'est-ce que ça va donner avec Olivier. Mais c'est ça, c'est que les choses sont accessibles. Après, ça n'enlève pas le fait que ça te prend des experts pour t'accompagner dans les différentes étapes, mais c'est pas ça qui doit te freiner à lancer un projet. C'est vraiment tellement ça. C'est vraiment... Ouais, hein? Tu penses comme ça aussi? Oh, si tu savais comment j'arrête pas tout le temps de dire ça, tu sais, puis... Tu sais, toute chose en son temps, hein? Oui. Puis si, comme tu dis, on attend que tout soit toujours parfait avant de se lancer, ça le sera jamais. Jamais. Je suis brandiste, OK? Une femme vient me voir, elle veut un... Elle commence, OK? Elle a eu quelques clients à peine. Puis elle a 3 piastres de budget, là. Ouais. Genre. Puis là, elle me dit... C'est quoi ton forfait logo? Nanana, nanana. La première chose que je vais lui dire, c'est est-ce que tu as réellement besoin d'un logo? Mm. Puis là, elle va me regarder, puis elle va dire ben, je pars en affaires, j'ai besoin d'un logo. Mm. On ne mettra pas 40 heures sur un logo quand tu ne sais même pas quelle clientèle tu vas aller chercher. Tu ne sais pas qui vraiment tu es encore comme entrepreneur. Ta business va probablement changer dans les 2 prochaines années parce que tu vas avoir vu qu'il y a des choses que tu veux, des choses que tu ne veux pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu offres qui ne sont plus alignées ou peu importe. Pourquoi on ne te ferait pas une belle signature typographique? On écrit ton nom avec une belle police que tu vas aller acheter, que tu vas avoir les droits d'utiliser pour ça, qui va te coûter... 20 $, là. T'sais, j'ai plein de sites pour ça. Tu as tes droits commerciaux là-dessus. On va tout te décliner ton identité visuelle, tes couleurs, ta typo, un univers d'images qui vont rester anyway parce que c'est toi, parce que tu vas l'aimer, parce que ça va bien te représenter. Puis dans quelques années, si tu veux absolument un icône, on ira t'en dessiner une. Puis là, va vraiment partager le bon message puis la bonne vibe que tu veux transmettre à ton audience. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire tout de suite? Pas vraiment. Puis tu sais, je trouve que, puis tu me diras si t'es d'accord avec ça, les sites web, je trouve que c'est la même chose. Tu sais, on attend d'avoir le budget pour avoir la Cadillac, les pages de vente, toute la patente. Mais tu peux avoir ce que c'est requis présentement, tu sais. T'as un programme à sortir, concentre-toi sur une super page de vente efficace. Ouais. Puis plus tard, t'ajouteras une page pour ton à propos, puis une page pour ci. Puis, tu sais, pourquoi on peut pas faire grandir un site web de la même façon? Mm-hmm. Tu sais, souvent, je suis comme, t'as pas besoin encore d'un grand site web, là, tu sais, puis je veux pas rentrer dans ton... Mais pourquoi tu fais pas un one page qui fait vraiment la belle absolument. Puis, mais je peux pas être plus d'accord avec toi. J'adore ce que tu dis parce que moi, c'est ce que je propose. Puis, c'est ce pourquoi je propose dans la majorité des cas WordPress parce que justement, ton projet va évoluer. Donc, tu vas commencer avec un one pager, même une landing page. Après, 6 mois après, tu vas vouloir ajouter un blog. Après, tu vas dire, je veux le faire bilingue parce que je remarque qu'il y a la communauté anglophone ou autre est intéressée par mes trucs. Ensuite, hey, je veux vendre de quoi? Je vais rajouter un petit commerce en ligne. Ensuite, je veux un formulaire connecté avec mon CRM puis envoyer mes infolettes, machin. Parfait, tout ça. Puis WordPress va évoluer au même rythme que toi. Puis... Ouais. Vicky, salut Vicky, je t'avais pas vu. Vicky a dit, on met quoi comme favicon quand on n'a pas d'icône? Ben, moi, c'était un P, mon favicon, de Patricia. C'est ma... Puis récemment, une photographe que j'ai faite sur son site web, elle avait pas de logo. Fait qu'elle s'appelle Marie-Ève Saint-Onge. Elle m'a dit, je veux cette typo-là, je l'aime beaucoup. Fait que j'ai écrit Marie-Ève Saint-Onge avec la typo, avec le grand M. Puis son favicon, c'est le M. Fait que je suis juste venue prendre le M, je l'ai mis dans un 512x512. Puis c'est ça son favicon, donc c'est sa lettre en haut tout simplement. Puis elle voulait quelque chose d'ultra simple, noir et blanc, parce que c'est ses photos qui parlent, un photographe. C'est ses photos qui prennent toute la place sur son site, là, son logo, c'est pas la chose la plus importante. Puis ben c'est ça, tu sais, si dans un an ou deux, elle voit que ça évolue puis qu'elle a envie de développer de quoi de plus fort, ben il y a rien qui va empêcher de développer
un brand plus fort, tu sais. Fait que, Complètement. Tu sais, d'y ouais. aller par étapes, mais d'avoir les bonnes fondations, que ce soit le web, que ce soit le branding, c'est la même affaire. Réfléchir aux éléments que vous avez de besoin actuellement, puis ajoutez-en au fur et à Ouais. mesure que vous avez de besoin d'ajouter des choses, tu sais. Puis tu sais, de plus en plus, tu sais, on regarde les images de marque, là, exemple, là, tu sais, surtout en marketing, et mettons aux États-Unis, tout ça. C'est souvent leur nom, les filles. Tu sais, je veux dire, moi, je suis beaucoup de filles. Tu sais, mettons, je vais te donner Jenna Kutcher, exemple. C'est Jenna Kutcher qui est écrit, c'est slick, tu sais. C'est elle qui est mise de l'avant. Tu sais, pourquoi j'aime ça, branding authentique? C'est ça, c'est... Elle devient son brand. C'est oui, elle va avoir une ligne directrice dans toutes les couleurs, dans ses photos, tout est réfléchi. C'est souvent la couleur de son brand, elle va le porter en veste. Tu sais, il y a plein de façons de le fignoler sans que ça soit un logo ou un icône. T'sais, prenez le temps de penser, c'est quoi les couleurs que je veux vraiment dans mon image de marque? C'est quoi les typos qui me représentent réellement? T'sais? Puis je sais, pour certaines, sont comme, ah, tu sais, un script, c'est un script, t'sais, écrit à la main. Puis là, je suis là, non, 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 non. Si tu verrais le nombre de scripts qu'il y a, puis qu'il y en a qu'on voit pas parce que ça a l'air comme si on a écrit vraiment pressé. Si toi, en tant qu'entrepreneur, tu es là puis tu prends le temps avec tes clients puis tout ça, t'as pas le goût que quelqu'un lise comme si tu avais dessiné ça sur le bout d'une napkin parce que ça, Ça déjà te là, définit ça pas, n'amène pas la bonne vibe, tu sais. Non, c'est super. Je vais retourner dans les petits commentaires. Julie Paquette a dit un site transactionnel en 2 heures, est-ce que c'est possible? Bon, non. Même un site vitrine en 2 heures, c'est pas possible. Comme je l'ai dit la semaine prochaine, mon Facebook Live le 23, c'est avec Olivier. On va bâtir un site en 1 heure et demie pour montrer que les outils sont accessibles et qu'on est capable de faire des affaires cool. Mais c'est un défi. On a bien des chances de pas le relever à 100%. Mais c'est sûr que, tu sais, bâtir un site, un vrai site, tu sais, mettons, même un one-pager, ça peut prendre une dizaine d'heures, là, tu sais, donc... Puis même chose pour un site transactionnel, encore plus. Puis là, après, ben, il y a tout le volet copywriting. Donc là, c'est faut que Ouais, t'écrives, c'est ça, on tu n'a pas sais... le contenu. Mais non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, puis toi, ta page de vente, je l'ai lue, là, puis elle est top, là, en termes de... Je sais pas si t'as suivi des formations en copywriting, là, mais... Même si j'étais pas convaincue, en tout cas, je l'étais pas tant, je l'étais, mais sur le bord de, j'ai lu ta page, puis j'étais comme, OK, là, assez de quoi elle parle, puis elle est capable d'amener les bons arguments, tu sais, c'est super. Merci. De rien. Judith, pardon, a dit, je crois que pour les réseaux sociaux, Canva, c'est parfait, on a quand même beaucoup de liberté avec Canva Pro, fait que ça, c'est super cool. Et Jen Dubois, ça me rejoint tellement, je suis en démarrage d'entreprise, il y a tellement de choses à penser. Mais oui, c'est fou. Tellement de choses à penser et à faire. Commencer plus simplement puis peaufiner tranquillement. Tu sais, de un, comme tu le dis, c'est qu'il y a bien des chances que ton entreprise change un petit peu ou en tout cas évolue. Et aussi, c'est que tu n'as pas l'argent au début. Tu sais, donc, mettre 5 000 $ sur un brand de la mort, c'est parce que c'est pas ça qui va te ramener des clients demain matin, là. Fait que Non. commence petit puis après. Avec les années, moi, c'est sûr, avec les années, j'ai mis à peu près ça, là, 5 000 ou plus sur mon brand, tout ce que j'ai fait développer, mais sur les 5 dernières années, pas dans les 5 derniers jours, tu sais. Non, c'est Donc, ça. ouais. C'est ça, c'est ça. Comparez-vous avec les gens de... Tu sais, ça, souvent, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs en démarrage, puis comme, arrêtez de vous comparer avec du monde que ça fait 10 ans qu'ils roulent. Ça fait 10 ans qu'on a le temps de peaufiner nos pages de vente puis nos affaires, tu sais. Ouais. C'est pas comme ça quand j'ai commencé, il y a 10 ans, tu sais, c'est une Ouais. chose à la fois, puis vous allez avoir des acquis puis des apprentissages à chaque mois, à chaque année, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais, fait que ça, c'est Ouais. bien important. Absolument. Ben écoute, Geneviève, je sais pas s'il y a encore des questions qui vont rentrer. Sinon, ben on peut te rejoindre sur tes réseaux sociaux. Tu as une infolettre que tu envoies à peu près une fois par semaine, hein, je pense. Oui, Donc, grosso modo, j'essaie fort, une fois par semaine. ouais, c'est pas tout le temps évident, je sais. ben, je te remercie grandement pour ton temps. Puis Merci. ta formation, ben là, évidemment, je suis rendue une de tes affiliées, fait que je vais en parler, puis aller voir vraiment la suivre, ta formation, pour voir. Puis c'est pas, j'ai aucun doute qu'elle est de qualité, mais je vais aller quand même valider, évidemment, C'est votre avant lieu, de... t'es ça. Je Puis, vais tu aller sais, yeuxter juste ça. pour faire juste un petit push là sur, tu sais, celles, exemple, qui n'ont pas beaucoup de budget, mais qui veulent commencer à développer leur image, puis qui veulent avoir le feedback, mettons, d'une graphiste.
Là, on a parlé beaucoup de la formation, la première formation, là, Oui. Canva, maîtrise Canva comme une pro, mais j'ai le niveau 2 qui est créer ton image de marque par toi-même, mais là, avec mes recommandations, OK. avec la façon que je fonctionne, avec mon processus de recherche. Fait que ça peut être un premier bon step à avoir aussi si tu maîtrises déjà Canva, puis que tu dis, ah, oh, là, je pense que je serais prête à commencer à jouer là-dedans puis développer mon image. Ta formation-là va être parfaite pour ça. C'est juste ce que Parfait. Fait j'allais que c'est dire. vraiment en deux étapes, là. Super. Ouais. Excellent. Puis Cynthia, c'est tellement pas grave que t'aies mis le lien, là. C'est moi qui ai nounoun, là. Fait que arrête ça, là. Merci d'avoir mis le lien de la formation de Geneviève. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée, Geneviève, un bon week-end. Puis tout le monde, bon, on se revoit à midi, pardon, vendredi prochain, pour mon défi que je me suis lancé avec Olivier de créer un site en 90 minutes. J'espère que vous allez être là et que vous allez m'encourager là-dessus. Donc, à bientôt et bonne fin de journée, tout le monde. Bye!